8 astuces qui te sauveront dans la nature. Malgré ce que beaucoup de personnes pensent, survivre dans la nature est complètement faisable si tu fais ce qu'il faut faire. Voici 8 astuces pour rester en vie quand tu te retrouves loin de la civilisation avec aucun équipement à portée de main. Rappelle-toi de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 8. Comment construire un abri ? La majorité des gens pensent que les dangers principaux de se perdre dans la nature sont la déshydratation et la faim. Mais en fait, ce dont tu devrais avoir peur est l'hypothermie, et ce problème s'aggrave si tu es trempé. Si tu n'es pas capable de faire un feu en quelques minutes, la majorité des gens ne savent pas, tu devras construire un abri. Trouve une surface plate et sèche, elle ne devrait pas être près d'une étendue d'eau. De plus, évite les endroits près de chutes de pierres, de falaises et d'arbres morts, étant donné qu'ils ne sont pas fiables et que tu peux te retrouver coincé. Après cela, tu devras décider du type d'abri dont tu as besoin. Évalue la température extérieure et décide si tu as besoin d'un feu près de l'abri. Ensuite, réfléchis pour savoir si ce sera un abri de court terme ou de long terme, et essaie d'estimer le temps que tu pourras consacrer à la construction. Si tu as besoin d'un abri court terme, qui est facile à construire et que les nuits sont relativement chaudes, tu peux alors opter pour un abri de broussailles en forme de A. Trouve une branche robuste et un peu plus longue que ta taille. Pose son extrémité contre un arbre. Place plusieurs branches plus petites contre la grande branche. Ce sera la structure de ton abri. Recouvre cette construction avec des feuilles et des broussailles. Si tu as besoin d'un abri qui peut te protéger contre le mauvais temps, tu peux essayer de faire un abri en appentis. C'est facile et rapide à construire et c'est plutôt spacieux. Le mur de ce type d'abri représentera un réflecteur de feu. C'est pourquoi si tu commences un feu devant l'abri, tu resteras au chaud. Pour construire cet abri, tu auras besoin de deux grands arbres à environ 2 mètres de distance l'un de l'autre. Prends une branche robuste qui est un peu plus longue que 2 mètres et accroche-la entre les deux arbres. Pour cela, tu peux utiliser des petites branches d'arbres. Détermine la direction du vent et pose des branches plus petites contre la grande de manière à bloquer le vent. Et voilà, ta structure en appentis. Mets des feuilles, des branches, des broussailles et des débris sur la structure pour te protéger contre la pluie et pour garder la chaleur à l'intérieur de l'abri. Numéro 7. Comment trouver de l'eau ? Après avoir construit un abri, ta prochaine priorité sera de trouver une source d'eau. Cette petite astuce pourrait t'aider. Cherche des animaux, des insectes, des abeilles en particulier, des oiseaux et des plantes vertes. Dans la majorité des cas, ils agissent comme des indicateurs qui montrent que l'eau n'est pas loin. Tu peux également regarder les crevasses rocheuses étant donné qu'elles contiennent souvent de l'eau de pluie. Mais rappelle-toi que boire de l'eau d'un ruisseau courant est toujours préférable à boire de l'eau stagnante. Mais si tu n'as pas d'autre choix, tu peux fabriquer un filtre à eau. Numéro 6. Comment fabriquer un filtre à eau ? Cette méthode t'aidera à obtenir de l'eau propre et potable en très peu de temps. La seule chose dont tu as besoin est une bouteille en plastique ou un récipient vide. Si tu n'as aucune provision, tu peux facilement fabriquer un récipient à partir d'écorce de bouleau. Utilise un bâton pour faire des petits trous au fond d'un récipient. Puis, couche par couche, mets les matériaux suivants à l'intérieur : gros gravier, sable grossier, charbon et sable fin. Tu peux prendre du charbon de ton feu et l'écraser jusqu'à l'obtention d'une poudre. Verse de l'eau au-dessus du sable fin. En passant à travers ces 4 couches, l'eau sera filtrée. Tout ce que tu dois faire, c'est récolter l'eau qui sort des trous. Cependant, tu devrais te rappeler que même si le charbon peut absorber certaines toxines, le filtre est quand même rudimentaire. Numéro 5. Comment savoir si une plante est comestible ? C'est un fait connu. Tu peux survivre sans nourriture pendant plus d'un mois si tu as suffisamment d'eau. Mais ce n'est pas la meilleure manière de survivre dans la nature. La faim t'affaiblira et brouillera ta capacité de jugement. Si tu peux identifier des plantes comestibles à première vue, c'est bien pour toi, mais aux États-Unis, il y a plus de 700 types de plantes toxiques avec celles que tu peux manger en toute sécurité et la majorité des gens ne peuvent pas faire la différence. C'est une mesure désespérée, mais si tu meurs de faim, tu peux réaliser le test universel de comestibilité. Tu dois garder à l'esprit que cette méthode n'est pas parfaite et qu'elle devrait être utilisée seulement quand il n'y a pas d'autres options et que le seul futur possible est de mourir de faim. N'utilise pas cette méthode pour les champignons. Quand tu trouves quelque chose que tu penses être comestible, commence par le sentir. Si l'odeur n'est pas répugnante, frotte ta découverte à l'intérieur de ton poignet ou de ton coude. Attends environ une heure. S'il n'y a pas d'éruption cutanée ou d'urticaire, frotte ce que tu as sur tes lèvres.
si tu ne vois aucun changement après une heure, mets un morceau de cette plante ou ce fruit dans ta bouche. Ne l'avale pas, surveille attentivement ton état. Si tu continues à te sentir bien, avale-en un peu et attends le lendemain. Si tu passes la nuit sans te sentir mal, tu peux conclure que ce que tu as trouvé pourrait être comestible. Quoi qu'il en soit, ne mange pas d'énormes quantités et surveille ton état de temps en temps. Numéro 4. Que faire si un animal te mord ? Si tu es coincé dans la nature, il ne serait pas surprenant que tu sois attaqué par un animal. C'est pourquoi il est extrêmement important de savoir comment traiter les morsures d'animaux. La première chose que tu devrais immédiatement faire est d'attacher un garrot sur le membre affecté. Cela préviendra la perte de sang. Une fois que tu as fait cela, lave minutieusement la plaie. Si tu as du désinfectant ou de l'alcool, verse-en sur la plaie. Cela aidera à réduire ou à ralentir la propagation de l'infection. Numéro 3. Où préparer ta nourriture ? Si tu as été chanceux et que tu as réussi à attraper un poisson ou un petit animal, ne prépare jamais ta proie pour la manger près de ton abri. Les boyaux et le sang attireront les autres animaux sauvages. Ne sois pas bête, les prédateurs ont un sens aigu de l'odorat et peuvent flairer la nourriture au loin. Pour la même raison, c'est également une mauvaise idée de garder les restes de nourriture dans ton abri. Nettoie tout après chaque repas. Numéro 2. Comment se déplacer dans la nature ? Rappelle-toi d'une seule chose, ne continue jamais de marcher après le coucher de soleil. Bien que cela puisse être une bonne idée, c'est en fait l'une des choses les plus risquées que tu puisses faire dans la nature. En fait, beaucoup de prédateurs sont des animaux nocturnes et ils sont conçus pour chasser la nuit. Et pendant que tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez, ils remarqueront même s'il fait nuit noire. De plus, le sol de la forêt grouille d'insectes et de serpents la nuit. Et enfin, le sol sur lequel tu te déplaces t'est inconnu. Tu ne peux pas toujours voir où tu vas et il y a donc de fortes chances que tu tombes d'une falaise ou que tu trébuches et te fasses mal. Numéro 1. Comment savoir l'heure sans utiliser de montre ? Pour déterminer l'heure, tu peux facilement utiliser la position du soleil et tes propres mains. La condition principale est d'avoir une vue claire du soleil et de l'horizon pour que cette méthode fonctionne. Tout d'abord, lève ton bras de manière à ce que ta main soit alignée à l'horizon. La paume de ta main devrait être face à toi et ton auriculaire devrait séparer le sol et le ciel. Essaie de garder ta main la plus immobile possible. C'est une bonne idée d'utiliser ta main dominante. Elle est plus forte et cela peut rendre cette astuce beaucoup plus confortable pour toi. Rappelle-toi de plier ton pouce étant donné qu'il peut ruiner tes calculs. S'il y a de la place entre ta main et le soleil, mets ton autre main au-dessus de la première. L'auriculaire de la main du haut doit toucher l'index de la main d'en bas. La paume de ta main devra également te faire face. Dès que tes doigts ont atteint le soleil, tu devras compter combien il y a de doigts entre le soleil et l'horizon. Après cela, tu peux calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Chaque doigt correspond à 15 minutes. Multiplie 15 par le nombre de doigts et tu obtiendras une durée approximative. Ce n'est pas exact étant donné que la grosseur des doigts varie d'une personne à une autre. Connais-tu d'autres astuces qui peuvent t'aider à survivre dans la nature ? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis. Et rejoins-nous du côté sympa de la vie.